Ouais. On sait pas. En vrai, on va voir. J'avoue, on sait pas. Alors, on a quand même deux joueurs qui ont assez tryhard leur perso. Hein, niveau 1111 d'un côté, niveau 1150 de l'autre. C'est assez chaud pas. En vrai. Hein. J'avoue, ça déconne pas. Là, on est contre des gens qui savent ce qu'ils font. Exactement. Ouh là, Totsugi qui sur en counter est sur notre pauvre Akemi qui prend. Command grab qui va donner lieu à Noki. Ça a voulu mettre la chop, c'est réussi. Ça fait venir, ça envoie le burst immédiatement. Ça envoie ensuite les dauphins en diagonale, à l'horizontale, partout. Nice, le standing. Ça c'était assez beau. Le double close slash qui n'obtiendra pas le wall break. Mais bien quand même. Qui va le permettre derrière. En effet. Alors là, les petits bugs des tentatives de punir automatiquement. Attention au timing, bien joué. J'avoue. Oh, il a essayé de nous faire l'over et tranquille. Akemi qui a utilisé son burst pour échapper à la pression de son adversaire. Il a pas réussi à garder le bon côté, par contre. Il aurait peut-être eu un wall break justement s'il avait gardé le bon côté. Bon, oui, mais il avait encore une barre de RC, donc voilà. Ça peut casser le mur, ça va récupérer une barre. SHX qui a récupéré son burst, qui s'en sert. Qui voulait justement récupérer deux barres de tension pour essayer de faire des trucs. Ok, là, Akemi a quand même réussi à récupérer une barre de tension grâce à son positive bonus. Voilà, il va essayer de garder le projectile safe. Le bon air to air. Le jump pour punir S de Milia à la retombée qui est extrêmement fort pour catch les hop-in. Ok, nice, le jumping HS, into block, into je te chope. Pas mal. Ah, ok, y'a rien qui... pas mal bike qui est justement rendu là maintenant. Overhead kiss, ça veut faire des droites gauche, un peu des mix, overhead droite gauche avec la cam. Bah, je laisse pas la cam malheureusement, il y a un petit effet sur la cam quand je suis en mode cyborg, mais je peux pas la laisser vu que là on est en train de regarder un formidable match. Mais bon, vous verrez peut-être entre deux matchs. Oh, c'est quoi cette attaque justement, ça c'est deux HS. C'est ça, ouais, c'est le jump. C'est le jump de HS, ouais. Ok, ok. Le jump de HS, ok. Ça va bien, Sora. Ça va être tranquille. Ah, bah voilà, enfin. On entend Sora avec une vraie voix cette fois, pas un petit micro qui nous défonce. C'est vrai, t'as un vrai micro, tu l'entends pas fort, mais cette fois t'as un vrai micro, c'est cool. Ça fait plaisir. Ah, ça utilise la rose pour étendre le saut, ça réussit pas à confirmer sous l'ouverture dessus. Ça chauffe. Très très bien joué. Est-ce que ces deux joueurs ont déjà joué ensemble auparavant? Non, jamais, je crois. Ok, ok. Ouh, le bon anti-air de la part de... La balle, c'est une belle petite correcte. Ça a tenté le triple close slash, mais ça n'a pas réussi parce qu'il était bien trop éloigné de... Et encore une fois, ce standing S. Akemi est vraiment au point, il est vraiment chaud sur son anti-air, c'est un truc de ouf. Ouais, Akemi, le close S de Milia est un très bon anti-air, et Akemi le sait très bien. Et il en profite bien comme il faut, c'est un bon usage. Il a bien raison. C'est la deuxième fois justement que SHX va envers son ennemi et tape le burst pour essayer de récupérer deux barres de tension direct, et ça a justement bien marché parce que là il a réussi à remporter le match. Le captain a mind sur les shop spé qu'il a fait avant, juste après un RC, et là cette fois-ci il a mind, il a fait un petit 2K sweep. Carrément. Bien joué de la part de Franchement, arrive très très bien à repousser Mai par contre avec ses coups normaux. Je trouve qu'il se déroule très bien au niveau du neutral. Mais c'est vrai que Mai est en train de jouer très très agressif. C'est un petit peu bizarre comme truc. Mais pour avoir joué plusieurs fois contre SHX, il arrive vraiment très très bien à faire le parallèle entre les phases de neutral et les phases de pressing. Il sait être agressif quand il faut, il sait être passif quand il faut. C'était bien joué de la part de SHX. Ça a encore voulu mine et Akemi a su en profiter pour envoyer son petit ça sent le petit yellow RC. Le changement de côté et il va pas réussir à tuer par contre. Peut-être, est-ce qu'il va investir, est-ce que ça va le faire? Et ça, ça l'a fait bien joué de la part. Bien joué, c'était très bien joué de la part d'Akemi là. Je vais revoir ça. Le Iron Savior qui va tuer en wall break, c'est très bon, c'est très fort ça. Ouh, tiens, Ilukasan. Malheureusement, il a laissé Captain lui sauter dessus, mais dommage. C'est très bien qu'il ne confirme pas. Ouh, y'a le gros coup. Ça c'est la mort. Ça a pas pardonné. Oui, comme Milia, elle a vraiment pas de vie. Là c'est la mort instantanée. C'est la mort instantanée. Oh, bien joué, la fleur qui va permettre d'éloigner le Hiruka à vertical. Exact. Totsugeki.
Attends, les mines, hein, avec le Totsugeki S, le Totsugeki HS, la fleur qui repousse encore. Ça fait des droites gauche avec des mix Red. Ouais, les pseudos sont pas du bon côté en effet. Merde, c'est pas pour moi. Ah, va falloir que je rentre ça. Ça a pas Red avec le 6K. Ça chope et ça remet dans le corner. Ça tente les mind hein, au bas avec le avec la Bad Moon, le 6H Bad Moon. Ouh, le Hiruka qui va faire un counter qui n'est pas rattrapé mais cependant OTG. Aïe aïe aïe, les jumps de Mei, on sait que ça fait très très mal. C'était un jump H hein, si j'ai pas de bêtises, le jump H qui me permet de bien rattraper. Je viens de capter Nice, c'est tout. Et ça fait 2-0 pour le capitaine SHX. FT3 qui est mis. FT3. Ok, on est bon. Allez, troisième match, on va voir si Akimi va réussir à adapter et à récupérer un petit peu de momentum. Alors, ouah! Ah, le Totsugeki, je crois qu'il va vraiment devoir réussir à gérer les Totsugeki pour essayer de. Akimi a une bonne gestion du neutral de manière générale, mais en face, il y a aussi SHX qui le gère très bien et le match-up Mei est vraiment compliqué pour Mia. Ah, tu m'étonnes, je vois qu'elle a pas de vie et que Mei elle te roule dessus avec son damage là de poudre, regarde ça, là, c'est la fin. Le mur, et bam, le 5 à charger qui va tuer, évidemment. Ah, c'est très mal. Plus sur les airs par contre, parce qu'il a vraiment de très bons déplacements, etc., de très bons coups, donc. Voilà. SHX sait en profiter parce qu'il charge, on voit qu'il charge ses Hiruka en vertical et il saute pour tenter des jump H pour tenter de rattraper Akemi. C'était bien joué. Belle conversion sur le counter hit là avec la luge. Escampé dans le corner. Ah, ça a pas pu faire le pose S pour pour anti-air. Les places sont échangées. Ça envoie le Hiruka en vertical pour garder dans le corner. Le burst qui est claqué côté Akemi. Est-ce que ce fut la bonne décision? Nous allons voir bientôt. Ah, belle défense de la part de SHX. Il enfin se fait ouvrir. Allez, fais-nous un bon combo là. Fais-nous un bon combo là. Allez. Il y a toutes ces barres et qui ont réussi à la barre de burst. Allez, allez, tu peux le faire. Il s'agit pas de Ah, c'est peut-être là, la fin là. C'est peut-être, ouais, c'est la fin. Ah, mais non, il n'a pas réussi à finir son fromage. La lasagne de SHX. Bon alors du coup, Akim qui reste dans le jeu là, on va voir s'il va réussir à récupérer Self. Là et là je commande la chop spay. Pas la deuxième chop, c'est une chop normale, mais quand même les gros dégâts sur Minya, mine de rien, ça fait super mal. Ouais, donc, Minya a vraiment pas de vie, voilà, ça tente les mines entre chop et pas chop. Si tu chopes pas, je te mets un 2K. Ouais. Voilà, ça fait des 2K. Ok, le burst est claqué, ça récupération de deux tensions. Hein. Voilà, Akimi peut prendre son temps maintenant, il a toutes ses barres. Ok, voilà, allez. Ça en claque une pour le ERC, reprendre l'avantage. Est-ce qu'il va claquer la deuxième? Je crois qu'il va peut-être pas avoir le choix. Snowboard, malheureusement, qui était trop loin pour convertir. Et le CS, le Stanley S, comme entière, il va peut-être avoir le. Non, il l'a pas eu, il a la lasagne par contre. Ah, counter hit. Ah, il a pas eu le wall break. Est-ce qu'ok, double overhead, triple overhead et. Et voilà, il a réussi à prendre. Pas mal, bien joué Akemi. Ok, il en met un sur le board. Ok, Akemi toujours pas out. C'est bien joué de sa part, il a réussi à récupérer un petit peu de momentum là. Ce triple overhead mon pote, je m'y attendais tellement pas. Il a pas du MS et 5 frames, oh, ça va en vrai pour du France-Japon. Honnêtement ça va carrément. Ça va pour du France-Japon je trouve. C'est carrément acceptable. Ouais, c'est cool ouais. Oula, le Hiruka San. Vous aviez pas l'air d'avoir trop de... Carrément. De lag ouais. Ouh, il a essayé de... Ça attendait la chope ouais. Qui a sauté. Ça a tenté le Bad Moon en Tiger Knee, ça s'est loupé malheureusement, ça a réussi à le refaire une deuxième fois. Ouh, et encore une fois, ouh, cette fois il a pas il a pas voulu choper, il a fait le S. Ah, entière. Oh, il a réussi à le pick-up. Et dans le coin, voyons voir ce qu'il va réussir à l'ouvrir encore une autre fois. Non, il a pas fait de triple over cette fois-ci. Roman Cancel, et ensuite il y a le Roman Cancel pour récupérer, pour dire tais-toi, laisse-moi tranquille, je veux sortir du... Ah putain, Akimi il arrête pas avec ses tentatives de chop là. Mais c'est bien, attends, mais il faut le faire. Putain, les dégâts, regarde-moi ça. C'est très fort la chop avec Midia, les mid-chop, pas chop avec Midia. Attention Akimi, ouais. Il a raison d'en profiter. Hein. Ah, mais il a raison carrément. Akimi a raison d'en profiter. Alors, on va voir balle de match pour Captain SHX in the mix. Ah, est-ce qu'il va réussir à imposer son jeu ou est-ce que Akimi va réussir à s'adapter et à en prendre une deuxième? Aïe 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 aïe. Ouah, et la commande grab, ça c'est. Ouais, ça va être des gros dégâts. Ça va être. Ah, il a pas eu. Ouais. Mais il y a de la chance de pas se taper un. Oh, ok, pas mal le. La fleur, ça, la rose. Ça permet l'ouverture avec la fleur. Ça va wall break, hein, tranquille. Mmh. On va récupérer une barre de metteur tranquillement. Ça, on a déjà eu une côté Akemi. Je crois qu'Akemi ça va pouvoir. Ouais. Je crois qu'Akemi a compris qu'il fallait peut-être jouer un petit peu plus dans les airs et utiliser les airs pour retomber en plein sur son adversaire, parce que je crois qu'SHX a un petit peu de mal justement à l'en tirer, mais
Ah là, il est revenu à une position où justement il essaie d'imposer le neutre par terre et ça a l'air de moins bien marcher, j'ai l'impression. Alors que quand il va dans les airs, justement, vous pouvez voir qu'il arrive à ouvrir. Ah ouais, mais il y a Ilukasan maintenant. Voilà, il y a l'adaptation de. Il a de très bons outils en aérien, elle a son job H qui est vraiment très bon.